to God, please. De Dieu. Je vais vous proposer une prière. Seigneur, bénis nos cœurs qui veulent partager ces instants avec toi et qui veulent dire oui, oui à ton nom, oui à ta gloire, oui à ta personne, oui à toi, Jésus. Ce soir ensemble, nous réunissons nos cœurs pour dire oui. Oui parce que c'est possible. Oui parce que tu peux. Oui parce que tu sais. Oui parce que tu veux. Oui, parce que tu es là. Alors reçois la gloire et bénis nos cœurs disponibles. Écoute notre foi qui s'adresse à toi. Au nom de Jésus, amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Évidemment, je vais prendre une vingtaine de minutes pour partager avec vous une pensée. Et après, c'est là, prier ensemble avec vous. Toujours dans le psaume 83. Le verset 7 qu'on a commencé depuis quelques jeudis ici. Je vais demander à un lecteur de nous aider à lire, s'il vous plaît. Le verset 7 du psaume. Est-ce qu'on peut honorer l'écrivain sacré en se levant pour... Come on. Allô. Psaume 83, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Les tentes d'Édom et les Israélites et les Ismaélites, Moab et les Acaréniens, Gilbal. Point. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. On n'a peut-être pas encore parlé sur les tentes d'Édom, on n'a peut-être pas encore parlé sur les Ismaélites, mais la fois passée, on a parlé sur les Acaréniens et puis nous avons parlé sur... Les Moabites. Les Moabites, n'est-ce pas? Et ce soir, nous parlons sur Gébal. Comme on dit avec moi, Gébal. Alors on peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un beau récit du psalmiste. Et ici le psalmiste, au chapitre 23, nous parle des défis du complot qu'il y a contre Israël. Lorsqu'on est porteur d'une vision de Dieu, lorsqu'on est porteur d'une grâce de Dieu, lorsqu'on a le don de Dieu, lorsqu'on a quelque chose de Dieu en soi, on est souvent sujette ou on est exposé à certains défis, à certaines réalités. La naissance de toutes les personnes qui naissent avec une grâce particulière n'est pas quelque chose de facile. Voilà pourquoi souvent les femmes qui ont du mal à avoir des enfants donnent naissance à des enfants qui sont extraordinaires. Et j'aimerais dire à une matrice qui aujourd'hui traîne à avoir des enfants après un temps dans le mariage d'être en paix. Ça veut dire que l'enfant qui est en train de venir, ce n'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Un enfant qui naît de prière, qui est né parce qu'il était cherché dans la prière, c'est un enfant qui a été préparé. Et Dieu sait ce qu'il veut faire avec cet enfant. Donnez-moi un amen que je vous dise quelque chose. Et ici, Israël est sujet à un grand complot contre lui. Et on est en train d'étudier les genres des menaces qu'ils ont eues. Et la fois passée, on a étudié Moab. On a expliqué que Moab, c'était les enfants de Lot. Moab, c'est le fils aîné que Lot a eu avec sa première fille. Et cette descendance n'a pas cessé de combattre Israël. Ils ont combattu Israël, sérieusement. Et on a fait voir les réalités spirituelles qu'il y a parce que entre
les Moabites et les Israélites, en réalité, ce sont des cousins. Mais ces Moabites avaient juré, quoi? D'exterminer Israël de l'histoire et même d'effacer de la mémoire du monde Israël. Et nous avons fait comprendre comment est-ce que dans des combats spirituels peuvent se mettre et surtout dans tous les challenges qu'il y a avec les cousins, les cousines. Là-dessus ou là-dedans sont parfois gardés des grands challenges, des grands défis ou alors dire des grandes persécutions, des grands combats. C'est pas parce que quelqu'un est ton cousin qu'il est mieux ou ta cousine qu'il serait mieux. Tu sais jamais. Il y a de ces sources de combats qui viennent de familles dont ton père et son petit frère sont en train de se battre et vous naissez dans cet environnement. Ta mère s'est battue à sa petite sœur ou à sa grande sœur ou à son frère. Ils se sont précipités l'héritage de leur père. Et c'est ton père ou ta mère qui a eu le lot. Et dans le même challenge, dans ce bras de fer, il y a des fois ces genres de combats qui se transmettent de génération en génération. Le monde est fait de tellement de réalités spirituelles qu'il ne faut jamais prendre la légère. Parce que le diable ne te détruira pas par quelqu'un qui ne te connaît pas. Souvent, il va utiliser quelqu'un qui te connaît bien, mieux, très bien. On en a parlé longtemps, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, on a étudié les Agaréniens. Les Agaréniens, c'est les descendants d'Agar, les enfants d'Agar. Or, Agar, c'est Ketura. Agar a eu Ismaël. Mais quand vous lisez là, on fait une différence entre les Ismaélites et les Agaréniens. Pourquoi? Abraham va, dans Genèse chapitre 10, un peu plus tard, qu'on va appeler Ketura dans la Bible, c'est Agar. Elle va redevenir sa femme. Donc, leur amour va revenir. Mais dans le texte que nous lisons plus tard, Israël, qui a la promesse de Dieu, est toujours sujet de combat. Mais là, combattu cette fois-là par des Agaréniens, qui sont la semence ou la descendance ou même les enfants d'Agar. Et là, j'ai fait comprendre à tous ceux qui naissent des familles, des polygamies. Parce que Agar a des enfants, mais d'Abraham. Et les enfants d'Abraham ont le même sang. C'est le même sang. Ils sont tous ici d'un même père. Après, on peut les appeler demi-frères, mais ça ne doit pas se dire vraiment comme ça, parce qu'après, ils ont le même sang. C'est le sang d'Abraham. Mais ça ne les a pas épargnés d'être sujets de combat. Ce n'est pas parce que c'est ton frère, vous êtes né même père, même mère, que tu es épargné. S'il touche à l'occultisme et qu'on lui demande de sacrifier, il peut même venir chercher à sacrifier tes enfants. Ça ne va pas l'épargner, il n'aura pas pitié de toi, ton vrai frère. C'est pas parce que nous avons le même sang. Quand on prêche avec moi, dis avec moi, ce n'est pas parce que nous avons le même sang. Écoutez-moi, il arrive des fois à l'église, quelqu'un prie et son frère ou sa soeur de la maison vient prier avec lui à l'église pour l'enlever de l'église. Ça arrive. Une personne était en train de bien prier. Du coup, son frère vient commencer à prier à l'église. Quand son frère commence à prier à l'église, son frère commence à faire des désordres. Il drague toutes les filles. Quand vous sanctionnez ce frère parce qu'il se comporte de cette façon, sa sœur est touchée. Non, ils ont vraiment fait ça à mon frère. C'est comme si on m'a fait ça à moi. Non, on n'a pas fait ça à toi. Alors une fille ici qui avait quitté l'église m'avait dit, je lui ai dit, pourquoi tu ne veux plus venir prier? Elle m'a dit non, parce que depuis que le frère là avait dragué ma soeur, j'avais l'impression qu'il m'a dragué moi. J'ai dit, mais j'hallucine. Est-ce que quand quelqu'un de l'extérieur te drague, tu ne sors plus dehors parce qu'on a dragué ta soeur? Est-ce qu'on ne la drague pas dehors? Donc tu vois, il y a des réalités comme ça où des combats peuvent te suivre. Des esprits de poursuite ou d'interférence pour récupérer la proie et tout. Alors les Agaréniens, c'était des enfants. Tu peux être né, même père, même mère d'une personne
qui peut être ton vrai problème et ton vrai combat. Ton propre père déjà peut être un sorcier comme ta propre mère. Ça ne t'épargne à rien. Après, si vous êtes né dans une famille où tout le monde est enfant de Dieu, rendez gloire à Dieu et bénissez Dieu pour ça. C'est une très bonne chose. Mais chez vous, il y a combien de religions? Tel prie dans tel, l'autre prie dans telle secte, l'autre est dans le zororarisme, l'autre est dans les messages du Graal, l'autre est dans Lions Club, l'autre est dans la Rose-Croix. Vous croyez vraiment dans cette maison-là? Là où tout le monde est en train de prier dans des... C'est normal. Sakana. Alléluia. Non, donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Et ce soir, en quelques minutes, je vais vous parler sur Gebal. Juste en 5 minutes. Rapporte, comment on dit ça avec moi encore? Gebal. J'y vais lentement avec mon psaume. Alléluia. Je pense de finir en tout cas. Alléluia. Qui peut un peu acclamer pour la gloire de Dieu? On a parlé des Agaréniens, on a parlé de Moab, n'est-ce pas? Mais après, la Bible dit, parmi les gens dans la coalition complot contre Israël, il y avait Gebal. Or, quand vous faites l'étude du mot Gebal, Gebal veut dire frontière ou ça veut dire aussi limite. Comme on dit avec moi bien, limite. Dans cette coalition mêlée entre cousins et propres frères, parce que dans le monde spirituel, quand une fois il y a combat, les gens de n'importe quelle borne peuvent s'entendre pour venir oppresser une telle personne. Ils ne s'entendent pas en journée, mais pour la cause de te combattre, ils peuvent s'entendre. Et quand tu es pasteur, tu rencontreras souvent des gens qui ne s'entendent pas en journée, mais quand il s'agit de te combattre, ça dit coalition. Parce qu'ils ont cru pouvoir t'avoir. Bon, après, quand on oublie que quelqu'un a une alliance de victoire, on ne va pas combattre cette personne-là. Parce que ça veut dire que c'est programmé son échec. L'une des plus grandes punitions que Dieu a donnée à Satan, c'est de combattre. Je vous dis, c'est une punition grave. Dieu a donné à Satan une chose, toi, va combattre. Mais Dieu nous a donné une chose, la victoire. Donc ça veut dire qu'il combattra toute sa vie, mais il perdra toute sa vie. Alléluia. Dieu a fait que Satan soit tout le temps en train de chercher à combattre, mais il t'a mis dans une position de remporter toujours la victoire. Quelle que soit la situation, tu gagneras. Est-ce que je peux redire à une personne qui gagnera ce soir? Est-ce que je peux l'annoncer à une personne qui gagnera ce soir? Les limites, c'est là où je vais vraiment parler pendant quelques minutes et puis prier avec vous. Un jour, un gars qui s'appelait Jabez dans la Bible, il était en train de prédire à Dieu, étends mes limites. Parmi notre nature de combat que nous combattons, ce sont les puissances des limites. Ça vous limite. Partout où il y a des noirs, dans des quartiers noirs, là où vivent beaucoup de noirs, dans une concentration, même quand ils sont aux États-Unis, qui sont en Belgique, qui sont en France, là où il y a une concentration de noirs, ce quartier-là devient sale. Ce quartier-là devient mauvais. Pourquoi? Je ne connais pas un quartier huppé de noirs aux États-Unis. Peut-être qu'il peut y en avoir, hein? Peut-être, je ne sais pas, mais moi je ne connais pas. Ça ne pourrait pas manquer peut-être. Mais souvent, vous allez vous rendre compte que là où il y a des noirs, il y a une certaine limitation. En Europe, il y a ce qu'on appelle les enfants des quartiers. Souvent, quand ils vont réussir dans un domaine, sécurité. Et s'ils sont arabes, souvent ils vont réussir dans un domaine, night shop, un boutique comme ça, ils vont commencer à voir. Et ce soir, j'aimerais qu'avant qu'on prie ici, qu'on puisse briser les limites. Il faut que tu tombes Gebal. Lève ta main, dis avec moi, mon Gebal va tomber ce soir. Ce que Dieu veut, c'est que Gebal tombe. Il y a dans certaines familles où il y a des limites. Il y a certaines personnes qui vivent avec des limites. Il y a des nations qui ont des limites. Il y a des limites de peuples, des limites de tribus, des limites de quartiers. Où vous êtes né dans une famille, mais il y a une limite, il y a un plafond de verre que vous n'arrivez pas à franchir.
Vous pouvez vous marier, mais vous allez rentrer chez vous à la maison. Vous pouvez avoir des limites. Là, c'est Gebal. Le Dieu qui nous a appelés n'a pas mis des limites pour nos vies. Et Jésus n'est pas mort pour qu'il y ait des limites dans nos vies. Mais là, que parfois, il y a des limites financières, des limites dans la vie, des limites dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais qui n'arrivent jamais à exploser. Parce qu'il y a des limites. Alors que ce soir, les limites soient brisées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il est des fois dans certaines familles, le quelques rares de personnes, ou même la personne qui a essayé de sortir du lot pour se démarquer. Souvent, c'est sur cette personne, le monde rappe. Allez. Anatambolesha. Alléluia. Je veux que ce soit avec toi, ça soit différent. Comme dit avec moi par le sang de Jésus, moi, John Guizani, je brise les limites. Est-ce que tu le crois? Qui a dit que les autres doivent réussir et vous ne devez pas réussir? Quel que soit l'auteur, la source, le nom de la malédiction, le sang de Jésus est plus puissant et plus fort que ce genre d'alliance. Alléluia. C'est pourquoi il ne doit plus y avoir des barrières, plus de Gebal. Libérez-vous des Gebal ce soir. J'ai peut-être trois points à parler. Premièrement, des fois on est limité par les opinions des autres. Parce que les autres te disent que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et cela te limite. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es seulement ce que la bouche de Dieu a déclaré sur ta vie. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Tu peux chanter avec moi ça? Il n'a pas dit que je coulerai, sombrerai. Il a dit, allons sur l'autre. Plus fort, encore une fois. Il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit, allons sur l'autre bord. C'est le temps d'aller sur l'autre bord. C'est le temps de traverser. C'est le temps de briser les frontières. C'est le temps d'atteindre le but. C'est le temps de toucher aux choses. Si tu le crois, donne-moi un amen plus fort. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Même si tu as tes défauts, ce n'est pas leur problème. Vous n'avez pas droit. Comme on dit avec moi, ils n'ont pas droit de me critiquer. Paul dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les marques de Christ. Personne alors. Rapidement, deuxième des choses rapidement. Étendre ses limites, c'est augmenter vos capacités. Et je prie ce soir que vous soyez boostés. Que le Saint-Esprit vienne à vous booster. Bien-aimés, croyez grand, rêvez grand, espérez grand, osez grand, voyez grand. Cela est permis. Alléluia. C'est permis de rêver. Mon frère, rêve. Comme on dit avec moi, je rêve. Bien-aimés, il faut rêver. Rêvez grand, ayez des grandes ambitions. N'ayez pas de petites ambitions comme ton père ou comme ta mère. Ou les plus grandes ambitions de ton père, c'était d'avoir 8 femmes. T'as un projet, Moutoubima. N'a pas la basse belle. On a un projet, ma pauvre. Rêvez grand, frère. Ne vous dites jamais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous. Le Congo doit rêver grand. C'est pourquoi je dis toujours que le Congo, c'est le meilleur pays au monde. Nous devons rêver grand. On a dit que l'Amérique est américain, mais l'Égypte est américaine. On a atteint une américaine, on a osé rouler, on a classe. On a dit que l'Égypte est américaine. L'Égypte est américaine. L'Égypte est américaine, on a moins de alors dans ce cas.
Alléluia. Donne-moi un amen. Ce que les autres font, tu peux faire plus que ça. Ce que les autres réalisent, tu peux réaliser plus que ça. Ce que les autres accomplissent, tu peux accomplir plus que ça. Rêve. Nous avons besoin de Joseph dans cette révélation. Une génération de rêveurs. Des gens qui rêvent, qui ont de l'ambition. Des gens qui croient. Allez, quelqu'un qui croit, dit avec moi, je crois. Et quelqu'un peut dire plus fort, je crois. Dieu te bénisse. Rêve. C'est possible. Celui qui a acheté une maison ne te dépasse en rien. Celui qui a acheté une voiture ne te dépasse en rien. Celui qui a ne te dépasse en rien. Comme on dit avec moi, Alekin Haïté. Et les gens sont en train de regarder. Et Jeanneau a commis premier ministre. Alekin Ananini. Nga pe na jo espérer que na rose premier ministre. Ata président Mboko na Rokoma. Il n'est pas interdit de rêver. Oh, tu me sois pas ça, ma rêve, n'a bien le gros babo, yo na lobby en haut. Qui m'interdit, mon cher rêve? Chacun rêve sa vie. T'as la mounine, le manège, ben notre langue est taille. Bon, bon. Joseph, alors, si ben notre nez avec la banque, ben de renais, oh non, yo pétion le gros babo, m'babi tala, le faiseur des rêves, on va le tuer. Bien aimé, si tu ne rêves pas, si tu n'aspires pas au coup, fa pamba. Aspire, rêve. T'as la rabat, tu vois, mon collègue, non, haïti. Yanga peu au Simba. Jour n'a pas de la matière, allez-y. Levons-nous pendant 5 minutes. Nous voulons prier pendant 5 minutes. Nous allons faire l'huile l'onction jeudi prochain. Ce soir, on va juste prier. Puis on va aller en prière avec nos amis qui vont nous conduire dans la présence de Dieu. Là où tu lèves ta main, là où tu es. J'aimerais que tu lèves ta main. Que tu commences à prier pour briser les limites. Quelles sont les limites dans la vie de ta mère? Bien, besoin qu'on compte ta tête, la famille. Quoi il sert? Besoin qu'on compte la tête. Quoi il sert? Besoin qu'on compte la tête. Quoi il sert? La limite à Bampiaka. Quoi il sert? Besoin qu'on compte la tête. Quoi il sert? Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Les limites de la maladie. Des maladies qui vous empêchent d'aller loin. Allez, fais tomber les limites. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Chandarame Gayazin Chuntarame Gayazin Turumega Chendereme Gayazin Turumega. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Fais tomber les limites. Chandarame Gayazin Turumega Chendereméga. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Ce que mon père ne pouvait faire, je vais le faire. Ce que le Congolais ne pouvait faire, je vais le faire. Ce que les Noirs ne pouvaient faire, je vais le faire. Au nom de Jésus. Que les limites tombent. Que les limites tombent. Ce que les pasteurs congolais ne pouvaient faire, je vais le faire. Je rêve. Je rêve ma vie. Je rêve les choses. J'ai de l'ambition. Je dépends de ce que Dieu me dit. Déclare. 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 Bien-aimé, prie. Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Lève ta main, dis après moi, au nom de Jésus. Ce que mon père ne pouvait faire, moi John Guizan, je vais le faire. Ce que ma mère ne pouvait faire, moi John Guizan, je vais le faire. Je brise les limites de famille, les limites dans cette nation, par le feu, par le feu, par le feu. Allez, commence à les briser par le feu. Brise cela 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 par le feu. Bouka yango na moto. Brise. Brise cela. Brise cela. Par
Par le feu, brise. Par le feu, brise. Par le feu, brise. Qui brise par le feu ce soir? Brise. Mets le feu dans chacune des limites. Les limites qui retenaient de la famille. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, lève ta main, dis après moi, au nom de Jésus, moi, John Guizani, je sors des limites. Je sors des limites et je calcine par le feu les limites qui voulaient limiter ma vie. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Allez, libère le feu. 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 Élève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Gébal, je te détruis. Gébal, ce soir, je te détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, commence à détruire Gébal. Commence à détruire Gébal. Fais tomber Gébal. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur, fais tomber Gébal, que Gébal tombe, que Gébal tombe, au nom de Jésus, que Gébal tombe, que Gébal tombe, que Gébal tombe, que Gébal tombe, que Gébal tombe. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Je brise les limites financières. Je brise les limites financières. Puissance de pauvreté. Malédiction de pauvreté. Je te brise. Non, je n'entends pas. Je te brise. Je te brise. Je te feu. Les prisons spirituelles. Je te casse par le feu. Allez, libère le feu sur les limites financières. Libère le feu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a vaincu à Golgotha? Est-ce que tu peux acclamer celui qui t'attend aimé le premier ce soir? Je croyais qu'on acclamait le Seigneur des Seigneurs. Je croyais qu'on acclamait celui qui nous attend aimé le premier.
Je croyais qu'on acclamait celui qui a vaincu les envoûtements de nos familles. Je croyais que nous acclamons celui qui a vaincu les sorciers de nos familles. Je croyais que nous acclamons celui qui nous attend demain le premier. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux ouvrir la Bible ensemble avec moi? Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous continuons la prière. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous ne sommes pas venus faire un spectacle en ces lieux, mais nous sommes venus à la rencontre de l'époux. Amen. Alléluia. Philippiens chapitre 4, le verset 12. La Bible dit: je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je croyais que tu allais dire amen. Parce que la victoire que tu reçois ce soir à travers la prière de l'homme de Dieu ne vient pas de ton oncle ni de quelqu'un de ta famille. La victoire que tu reçois ce soir vient de celui qui a vaincu depuis Golgotha. Il te les donne ce soir afin que tu puisses marcher même sur ceux de ta famille. Afin que tu puisses dominer même sur ceux de ta famille. Est-ce que tu peux te lever encore une fois là où tu es? J'aimerais avant toute chose que nous puissions élever encore le Seigneur. La Bible déclare que lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Est-ce que tu peux garder tes yeux fermés pendant quelques minutes? Contemple la présence de Dieu en ces lieux. J'aime l'histoire de Bartimée. Bartimée n'avait pas la vue, Bartimée ne voyait pas. Mais il y a une chose, il avait juste entendu la voix, il avait juste entendu le bruit. Malgré l'interdiction des autres, comme ceux de nos familles, mais il a crié, fils de David. Et ce soir, l'opportunité est là. J'aimerais que nous puissions ensemble profiter de cette opportunité. Comme Bartimée criait, fils de David, tourne aussi ton regard sur moi. Jésus. Alléluia. Shabra de Kadebos. Nyazibra de Libébos. Là où tu es, contemple la présence de Dieu. J'aimerais que l'Esprit de Dieu te pousse à t'approcher encore. À dire à Dieu tout ce que tu sens de tout ton cœur. C'est la rencontre de l'épouse et son épouse ce soir. J'aimerais te rassurer que Dieu est là. J'aimerais te rassurer que Christ est déjà en ces lieux. Est-ce que tu peux même commencer à parler en langue? Commence à activer l'atmosphère. Commence à chercher sa face. Commence à élever son nom. Jésus est là, il est là, Jésus est là, il est là pour moi, là. Jésus est là, il est là. Jésus est là, il est là pour moi. Là. On peut les chanter à l'unisson, Jésus. Jésus est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Jésus est là, Jésus est là, alléluia. Il est là pour moi. Là. C'est
tellement simple, Jésus est là. Jésus est là. Tu peux les chanter, c'est simple. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Mon Seigneur. Il est là pour moi. Jésus. C'est tellement simple, il est là. Il est là. Jésus est là. Monte encore. Nous voulons faire asseoir les trônes. Jésus est là. Il est là pour moi. Jésus est là. Dans ton cœur, en ce lieu. Papa est là. Papa est là. Mon papa est là. Dans ta vie, dans ton cœur, l'onction est là. Il est là dans ce lieu. L'onction est là. En ce lieu, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. L'onction est là, l'onction est là. En ce lieu, il est là, en ce lieu, le Esprit est là, le Esprit est là.
trop simple. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Come on. Namon ayata. Tu le fais bien. Nani namon ayo. Namon ayo. Napoko alelo. Yesu nanga. Namon ayo. Napoko alelo. Yeah.
Reste en moi l'espérance de la gloire à la croix, la royauté.
Alléluia. Robinet, Robinet, fin.